Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Martine Bagot. Je suis chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis et coordinateur du réseau national lymphome cutané. Aujourd'hui, je vais vous parler des lymphomes cutanés, ici mes conflits d'intérêts. Les lymphomes cutanés sont des lymphomes qui débutent et qui prédominent au niveau de la peau. Il s'agit du deuxième site en dehors des ganglions après les lymphomes digestifs. Les lymphomes T-cutanés, contrairement aux lymphomes ganglionnaires, représentent la majorité de ces lymphomes, 75 à 80%, alors que les lymphomes B sont minoritaires. Il existe une classification internationale pour les lymphomes cutanés et vous voyez que cette classification reconnaît de très nombreuses entités de lymphomes cutanés. Au sein de ces groupes, le plus fréquent sont le mycosis fungoïde et ses variantes avec le syndrome de Sézary, et le deuxième grand groupe, les lymphoproliférations CD30. Donc, nous verrons ces deux grands groupes les plus fréquents et nous verrons ensuite les lymphomes B cutanés qui sont beaucoup moins fréquents. D'abord, un petit peu d'épidémiologie. Le groupe français d'études des lymphomes cutanés a fait une analyse de son registre, une analyse de 8593 patients du registre français des lymphomes cutanés. Et vous voyez que la fréquence de ces lymphomes est stable entre 2005 et 2019 et que les lymphomes qui sont bien connus ont une proportion qui diminue parce que de nouvelles entités sont décrites qui sont de plus en plus mieux reconnues par les dermatologues. Donc, nous allons d'abord parler des mycosis fungoïdes et de ses variantes qui sont les lymphomes les plus fréquents. Vous voyez que le mycosis fungoïde est caractérisé par des lésions rouges qui sont d'abord localisées sur les zones non exposées au soleil, donc sur les seins, sur les fesses. Et ce sont des lésions qui sont rouges, qui peuvent régresser au début et puis qui ont tendance à se multiplier, à devenir de plus en plus fixes. Chez les patients qui ont la peau un petit peu plus mate, vous savez, vous voyez que ça peut se présenter sous forme de lésions dépigmentées. La majorité des patients vont rester au stade de patch et de plaques, et ce n'est qu'une minorité de patients, environ 15 à 20%, qui vont évoluer vers des tumeurs, vers des lésions qui sont plus en relief, qui souvent surviennent chez les patients qui ont des patchs et des plaques depuis de très nombreuses années, voire dizaines d'années. Alors, comment fait-on le diagnostic de mycosis fungoïde? Eh bien, on fait une biopsie cutanée, c'est-à-dire qu'on prend un petit morceau de peau avec un punch, et vous voyez que sur l'analyse, on voit qu'il y a des cellules anormales qui sont ici, là, vous voyez, dans la membrane basale. Ici, des cellules qui vont dans l'épiderme, qui réalisent ce qu'on appelle des micro-abcès de Potrier. Et on peut aussi identifier, voir un petit peu quels sont les marqueurs qui sont exprimés par ces cellules. Vous voyez que ces cellules sont avec des immunomarquages. On voit que les cellules sont surtout CD3. Ici, vous voyez ces cellules qui sont le long de la membrane basale, ce qui explique que les lésions prédominent au niveau de la peau. Alors, il y a des formes de mycosis fungoïde qui touchent plutôt, plus spécifiquement les poils. Ici, vous voyez une patiente, ça peut se manifester uniquement sous forme d'une perte de poils au niveau du sourcil, une petite plaque rouge, où vous voyez une zone où les poils ont disparu. Ça peut être sur les jambes, ça peut être sur les sourcils, et ça peut être extrêmement bénin, et il faut y penser quand il nous présente une zone avec une perte de poils localisée. Et puis, il y a des patients chez qui, là encore, la maladie peut se mettre à être plus évolutive avec apparition de lésions plus infiltrées ou, comme vous voyez ici, d'une impétigénisation, c'est-à-dire d'une surinfection bactérienne. Et bien évidemment, cela se traite très bien et il faut traiter par des antibiotiques, mais ce n'est que le traitement de la cause du lymphome qui va permettre de guérir définitivement. Et vous voyez que chez ces patients, l'infiltrat est ici le poil. Vous voyez l'infiltrat autour du poil. Ici, vous voyez l'infiltrat qui est spécifiquement localisé autour du poil. Il y a aussi des lymphomes. Ici, vous voyez le bleu qui montre la mucine à l'intérieur du poil. Il y a aussi des patients qui ont des mycosis fungoïdes syringotropes, c'est-à-dire des mycosis fungoïdes qui touchent plutôt les glandes sudorales. Alors, ces mycosis fungoïdes sont plus souvent localisés au niveau des plantes des pieds et des paumes des mains. Vous voyez ici cet aspect au niveau des plantes des pieds. Et vous voyez que si on fait une biopsie, on retrouve l'infiltrat, les cellules anormales au niveau de la glande sudorale. Et puis, il y a des lymphomes qui sont très localisés, qu'on appelle les lymphomes pagétoïdes, qui sont caractérisés par une seule lésion unique, avec des cellules qui sont uniquement dans l'épiderme. Vous voyez des cellules de grande taille avec un halo. Donc, toutes ces variantes sont des formes particulières de mycosis fungoïde. Ici, vous voyez que ces cellules qui sont là encore dans l'épiderme.
Alors, il y a aussi une autre forme de mycosis fungoïde qui se caractérise par ce qu'on appelle une érythrodermie. Alors ici, vous voyez des patients à un stade très avancé avec une rougeur sur tout le corps. Vous voyez que un ectropion, c'est-à-dire une infiltration au niveau de la paupière. Mais il faut faire le diagnostic à un stade beaucoup plus précoce. Et il y a différents aspects cliniques du syndrome de Sézary. On peut avoir de manière caractéristique ce qu'on appelle le signe du drapé, avec comme des plis dans le dos. Donc l'ectropion, on l'a vu, c'est-à-dire une éversion de la paupière, une atteinte des ongles, une mycodystrophie, une atteinte des paumes et des plantes. Des lésions plus infiltrées au niveau du visage, mais il y a aussi des patients qui se grattent, mais qui ne sont pas rouges. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Sézary invisible. Il faut savoir faire le diagnostic de syndrome de Sézary, même chez un patient qui n'est pas rouge, devant à des démangeaisons qu'il faut alors explorer. Alors, comment fait-on le diagnostic de syndrome de Sézary? Eh bien, on fait une biopsie cutanée, mais parfois la biopsie cutanée ne permet pas de porter le diagnostic. Donc, il faut faire une cytométrie de flux. La cytométrie de flux, ça veut dire qu'on analyse le sang, on analyse les sous-populations lymphocytaires dans le sang, et vous voyez que ça permet de différencier différents sous-types de patients qui sont érythrodermiques. Il y a des patients qui sont érythrodermiques, mais qui n'ont pas de cellules anormales dans le sang. Il y a des patients qui ont plus de 1000 cellules de Sézary dans le sang, plus de 1000 cellules qui expriment ces marqueurs. Vous voyez, et là, ce sont les vrais syndromes de Sézary. Et puis, il y a des patients qui ont un pré-Sézary, c'est-à-dire qu'ils ont des cellules dans le sang, mais pas vraiment un Sézary. Donc, il est très important, devant un patient qui est rouge, de ne pas se contenter d'un diagnostic d'eczéma ou d'atteinte de réaction médicamenteuse, mais savoir faire cette fameuse cytométrie de flux pour faire le diagnostic de Sézary ou pré-Sézary. Pourquoi? Parce que ça va permettre de donner un traitement adapté et d'améliorer beaucoup ces démangeaisons qui sont extrêmement invalidantes. Alors ici, vous voyez que quand on fait une cytométrie de flux, on analyse les cellules 4 plus 26 moins ou 4 plus 7 moins ou ce nouveau marqueur et ça permet de différencier le Sézary, les pré-Sézary, les mycosis fungoïdes érythrodermiques et les mycosis fungoïdes classiques. Donc ça permet de faire un diagnostic très précis du stade de la maladie. Alors, l'autre grand groupe de patients qui ont ces deuxième grand groupe de lymphomes cutanés, ce sont les papulose lymphomatoïdes. La papulose lymphomatoïde est caractérisée par des lésions, des petits nodules qui sont localisés ou disséminés et qui ont tendance à régresser, qui régressent dans tous les cas spontanément en 6 à 8 semaines, parfois en laissant une zone un peu croûteuse comme ça. Donc, vous voyez que le tableau clinique est très, très évocateur. Et quand on fait une biopsie, on voit des cellules qui expriment CD30, donc c'est très caractéristique. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la papulose lymphomatoïde. C'est extrêmement bénin et ça ne nécessite pas de traitement, on le verra. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de catégories de papulose lymphomatoïde. Différents aspects peuvent se voir chez le même patient. Ce qui est très, très important de savoir, c'est que quel que soit ce qu'on voit sur l'examen anatomopathologique, l'attitude est la même, c'est-à-dire une attitude très conservatrice, avec surtout pas de traitement agressif. Alors, dans le spectre des lymphomes CD30, vous avez aussi des patients qui présentent ce qu'on appelle un lymphome T cutané anaplasique à grandes cellules, c'est-à-dire ce sont des patients qui peuvent présenter une lésion localisée, comme on voit ici, au niveau de la commissure labiale, au niveau de la main. Et dans un tiers à 40% des cas, ces lésions régressent là aussi spontanément dans 40% des cas. Et puis, chez certains patients, les lésions peuvent être plus étendues et ne pas régresser. Dans ces cas, il est toujours important de faire un bilan complet afin de vérifier qu'il n'existe pas de lésion en dehors de la peau. Vous voyez par exemple cette patiente qui avait cette lésion du nez, extrêmement inquiétante pour elle, et vous voyez qu'un mois et demi plus tard, la lésion a complètement disparu spontanément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lymphomes T cutanés anaplasiques à grandes cellules, donc un lymphome de très bon pronostic quand il est uniquement cutané, qui le plus souvent régresse spontanément. Alors, sur le plan, là encore, on fait une biopsie pour faire le diagnostic et on met en évidence des nappes de grandes cellules qui expriment CD30. Donc, c'est ce qu'on appelle le lymphome T anaplasique à grandes cellules CD30 positif. Alors, ici, deux diapositives pour expliquer comment on traite ces pathologies. Donc, la papulose lymphomatoïde, on fait un petit bilan, c'est-à-dire un examen clinique complet, une numération. On ne fait pas de scanner, ce n'est pas la peine. On ne fait rien du tout puisque les lésions régressent spontanément. Éventuellement, on peut prescrire des corticoïdes, des pommades à la cortisone.
Si les lésions sont multiples ou reviennent très très souvent, on peut faire des traitements par des rayons UV ou des applications de chlorméthylène gel commercialisées sous le nom de Ledaga. Et puis, très rarement, si les patients ont beaucoup beaucoup de lésions, on peut traiter par méthotrexate ou bexarotène ou interféron ou brentuximab. Pour ce qui concerne les lymphomes cutanés T anaplasiques à grandes cellules, là où on l'a vu, la clinique est très impressionnante, mais le pronostic est très très bon. La régression spontanée est fréquente. Donc là, il faut faire un bilan, comme je vous l'ai dit, pour ne pas passer à côté d'un lymphome qui aurait d'autres lésions cutanées. Mais il ne faut surtout pas surtraiter ces personnes. Et si ça régresse tout seul, on ne fait rien, on surveille simplement. Si la lésion est unique, on fait des rayons, ou éventuellement une exérèse, mais plutôt des rayons. Et si les lésions sont multiples, là encore, on peut traiter par méthotrexate, vinblastine ou brentuximab vedotin. Alors maintenant, on va parler un petit peu des lymphomes B cutanés. Donc vous avez vu que les lymphomes T cutanés représentent 70, 75 à 80% des cas de lymphomes. Eh bien, il y a 20 à 25% une minorité qui sont des lymphomes B cutanés. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez qu'on a trois cas de figure. On a deux cas de lymphomes qui ont un très très bon pronostic et un cas de lymphome qui se voit chez des gens plus âgés qui sont un peu moins bon pronostic. Donc, on a d'abord le lymphome B cutané de la zone marginale. Donc ça se présente sous forme de papules ou de nodules, uniques ou multiples. Ça prédomine sur les membres. Parfois, ça peut être associé à une infection par Borrelia burgdorferi. Il y a souvent des rechutes, mais ça n'est pas grave puisque le pronostic est excellent et très rarement des localisations extracutanées. Vous voyez que c'est un très bon pronostic et bon, on fait un bilan, mais on suit les patients et la survie est excellente et la même que des patients de même âge et de même sexe. Alors, il y a un autre type de lymphome B cutané de bon pronostic qui sont les lymphomes B cutanés folliculaires qui sont caractérisés par des tumeurs ou des plaques infiltrées. Là, ça ne prédomine pas sur les membres, mais sur la tête et sur le tronc. Et là aussi, ça se traite très très bien, soit par radiothérapie si c'est localisé, soit par rituximab si les lésions sont disséminées. Il faut savoir que ça peut rechuter et les personnes peuvent développer une dissémination en dehors de la peau dans 10 à 15% des cas. Mais enfin, vous voyez que dans l'immense majorité des cas, le pronostic est très bon. Et puis, la troisième catégorie de lymphome B cutané, ce sont les lymphomes B cutanés à grandes cellules de type membres inférieurs. Vous voyez que ce sont des tumeurs qui se voient sur les jambes, l'une ou les deux jambes. Ce sont des sujets âgés le plus souvent, c'est-à-dire plus de 60 ans, plus de 70 ans, souvent plus de 80 ans. Ça peut toucher aussi les fesses et il peut aussi y avoir des sites en dehors des membres inférieurs. Et dans ces cas-là, les rechutes et les localisations extracutanées sont plus fréquentes. Et là, il va falloir faire une chimiothérapie adaptée à l'âge. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur la prise en charge du mycosis fongoïde et du syndrome de Sézary parce que ce sont les plus fréquents des lymphomes cutanés et il y a beaucoup, beaucoup de traitements possibles et des innovations thérapeutiques dont je vais vous parler. Alors d'abord, le traitement du mycosis fongoïde dépend du stade de la peau. Vous voyez que pour le stade, on définit différents stades. Le stade T1, ce sont des personnes qui ont moins de 10% de la surface corporelle atteinte. Alors il faut savoir que 1% représente la paume de main de la personne. Donc vous voyez 10 paumes de main, donc c'est quand même moins de 10%. Et si il n'y a pas de lésion infiltrée, c'est-à-dire si on passe le doigt, il n'y a pas de relief, ça s'appelle des patchs. S'il y a du relief, ça s'appelle des plaques, donc on définit comme ça le stade. Et ces personnes qui sont au stade T1 ont un excellent pronostic. Les personnes qui sont T2 sont les personnes qui ont plus de 10% de la surface corporelle atteinte, soit des patchs et des plaques. Le stade T3, ce sont des personnes qui ont des tumeurs, donc vous voyez, plus en relief. Et T4, c'est les personnes qui sont tout rouges, une érythrodermie, ce qu'on appelle une érythrodermie, c'est-à-dire rouge de la tête aux pieds. Alors, vous voyez que cette classification, évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous montrer que la classification dépend du stade dans la peau, ce dont je vous ai parlé, du stade dans les ganglions, qu'on va falloir biopsier les ganglions. Souvent, c'est pratique de faire une biopsie à l'aiguille. Et puis, la teinte sanguine qu'on a déjà vue, B0, B1, B2. Et en fonction de toutes ces classifications, vous voyez qu'on définit des stades. Donc, ce qu'on appelle les stades précoces, ce sont les personnes qui ont des patchs ou des plaques qui font moins de 10% ou plus de 10% de la surface corporelle, donc qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire ou très peu d'atteinte sanguine, pas ou peu d'atteinte sanguine. Donc, ça, c'est les stades précoces. Et puis, ce qu'on appelle les stades plus avancés, ce sont les personnes qui ont soit des tumeurs, soit un pré-Sézary, vous voyez qu'ils sont tout rouges, mais qui n'ont pas d'atteinte dans le sang, zéro,
ou les pré-césaries 3B, qui sont tout rouges, qui ont un petit peu de cellules anormales dans le sang, et les vraies césaries, qui ont plus de 1000 cellules de césarie dans le sang. Et donc, bien évidemment, la survie dépend du stade. Vous voyez qu'au stade précoce, à une échelle de 30 ans, les patients qui ont au stade précoce ont une évolution, une survie qui est identique aux patients de même âge et de même sexe. En revanche, c'est sûr que le pronostic est moins bon quand il y a des tumeurs ou une érythrodermie, mais vous allez voir qu'il y a maintenant beaucoup d'espoir dans les nouveaux traitements. Alors, comment on traite les lymphomes T-cutanés ? Alors, au stade précoce, on privilégie les traitements locaux, puisqu'il n'y a qu'une atteinte de la peau, donc on privilégie les traitements locaux. Alors, les traitements locaux, ça peut être des pommades à la cortisone, de la chlormétine gel, c'est-à-dire une pommade qui s'appelle l'EDAGA, c'est un gel qui s'applique sur la peau et qui permet de traiter, qui est différent des corticoïdes, qui peut avoir une très, très bonne efficacité. On peut aussi faire un traitement par une photothérapie, c'est-à-dire des rayons ultraviolets comme les rayons du soleil. Donc, si les lésions ne sont pas infiltrées, on va plutôt choisir des UVB. Si les lésions sont infiltrées, on va plutôt choisir une puvathérapie, c'est-à-dire on rajoute des psoralènes par la bouche avant de faire une irradiation dans une cabine par des UVA. On peut faire une électrothérapie, c'est-à-dire une irradiation de toute la surface corporelle très superficiellement avec des électrons. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet de ne traiter que la peau et de n'avoir aucun effet secondaire en dehors de la peau. Et puis, si on a une tumeur localisée, par exemple, on peut faire une radiothérapie. Alors, si ces traitements locaux ont perdu leur efficacité, si la personne a eu tous les traitements locaux et que malgré tout, la maladie continue à évoluer, on passe à des traitements systémiques, c'est-à-dire généraux. Et puis, bien évidemment, quand les patients sont au stade plus avancé, c'est-à-dire avec des tumeurs ou une érythrodermie, on fait directement ces traitements systémiques. Alors, ces traitements systémiques, ce sont d'abord des traitements dits immunomodulateurs, c'est-à-dire qui modulent l'immunité, mais qui ne sont pas des chimiothérapies. Alors, les traitements immunomodulateurs dont on dispose, c'est d'abord le bexarotène, commercialisé sous le nom de targrétin. Donc, c'est un produit qui s'appelle un rexinoïde, qui module la transcription de beaucoup de gènes et qui n'a pas comme effet secondaire d'élever les lipides dans le sang. Ça élève les triglycérides dans le sang, donc c'est ça qu'il va falloir surveiller chez les personnes qui sont traitées par bexarotène. Le deuxième traitement, c'est l'interféron pegylé. Ce sont la substance qu'on produit quand on a la grippe, par exemple, quand on a une maladie virale. Donc, ça se prescrit sous forme d'injection une fois par semaine et ça peut être extrêmement efficace. Le troisième traitement immunomodulateur, c'est le méthotrexate. Le méthotrexate à faible dose, 10 à 25 mg par semaine, un traitement qu'on donne dans beaucoup de maladies inflammatoires, dermatologiques ou rhumatologiques. Et donc, ces trois traitements sont trois traitements immunomodulateurs qui sont utilisés les uns après les autres. Parfois, un patient répond à un traitement, pas à un autre. C'est impossible de prédire avant d'avoir essayé. Donc, il faut essayer quel est le traitement qui va être le plus efficace chez une personne donnée. Quand le patient est érythrodermique, c'est-à-dire tout rouge, il y a un traitement qui est très efficace, ce sont les photophérèses. Les photophérèses, ça consiste à prendre le sang et à l'irradier dans une machine en présence d'UVA et de psoralène. Et on réinjecte ce sang qui a été traité et ça permet d'augmenter la réponse immunitaire contre les cellules anormales. Et vous voyez que ce traitement par photophérèse, qui se fait à peu près tous les 15 jours ou deux jours de suite tous les mois, peut être associé au traitement immunomodulateur. On peut associer les photophérèses aux interférons, à la bexarotène ou au méthotrexate. Et puis, il y a des nouveaux médicaments qu'on peut normalement pas commercialiser, mais qui sont commercialisés aux États-Unis et qu'on peut avoir en Europe, comme la romidepsine ou l'istodax, ce sont des perfusions. Et ces traitements peuvent être extrêmement efficaces si on n'a plus d'efficacité des différents traitements qui sont commercialisés de manière autorisée en Europe. Alors, il peut arriver que tous les traitements, finalement, et que d'échapper à tous ces différents traitements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? On peut faire un traitement par des anticorps monoclonaux. Donc, avant, on faisait des traitements par alemtuzumab. Maintenant, c'était très efficace, mais maintenant, ce traitement est très difficilement disponible. Et puis, on a des nouveaux traitements qui sont le brentuximab vedotin, commercialisé sous le nom d'Adcitris, le mogamulizumab, commercialisé sous le nom de Poteligeo. Donc, je vais vous parler plus en détail parce que ce sont deux nouveaux traitements très intéressants des lymphomes T-cutanés.
On peut aussi faire des chimiothérapies qui sont des chimiothérapies qui sont non agressives parce que l'objectif, c'est de les faire le plus longtemps possible sans avoir beaucoup d'effets secondaires. Donc, les médicaments les plus utilisés sont la doxorubicine liposomée, commercialisée sous le nom de Kaelix, ou la gemcitabine, commercialisée sous le nom de Gemzar. Et puis, malheureusement, la maladie a tendance à récidiver. Le traitement est efficace, mais souvent, il y a une rechute. Si on veut ne plus rechuter et être définitivement guéri, il y a possibilité de faire une greffe de moelle allogénique, c'est-à-dire une greffe de moelle d'une autre personne. Mais pour ça, il faut avoir moins de 70 ans, il ne faut pas avoir de maladies trop importantes, pas de diabète sévère, pas d'atteinte cardiaque sévère, et puis il faut de toute façon être mis en rémission complète. Si on arrive à faire disparaître toutes les lésions cutanées, ganglionnaires et dans le sang, ce qui est tout à fait possible, si on peut faire une greffe de moelle d'un frère HLA, ou d'une sœur HLA-identique ou d'un donneur du fichier, on a la possibilité d'être complètement guéri de la maladie, ce qui est quand même un confort de vie très intéressant. Alors, donc, je vais vous parler du brentuximab vedotin. Donc, le brentuximab vedotin, c'est un anticorps anti-CD30 dirigé contre la molécule CD30 qui est conjugué à la monométhylauristatine. Donc, c'est un agent vous voyez, qui se fixe au CD30. Ensuite, l'anticorps est internalisé et puis ça détruit la cellule. Donc, ce brentuximab vedotin, il a été approuvé aux États-Unis et en Europe pour les malades qui ont un lymphome cutané anaplasique ou un mycosis fungoïde qui exprime CD30 après échec d'une ligne de traitement systémique. Donc, ces résultats ont été publiés dans un article du Lancet en 2017. Et vous voyez que c'est très intéressant puisque c'était comparé au méthotrexate ou au bexarotène. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont une bonne efficacité sur la peau avec le brentuximab qu'avec le méthotrexate. Également, la qualité de vie est très améliorée, nettement plus améliorée chez les patients sous brentuximab que sous méthotrexate. Et c'est vrai aussi pour les lymphomes anaplasiques à grandes cellules. Vous voyez que si on regarde la progression free, la survie sans progression, vous voyez que les patients sous brentuximab ont une meilleure survie sans progression que les patients qui sont sous méthotrexate ou bexarotène. Le problème, c'est que ça n'est pas un traitement qui guérit définitivement et que beaucoup de patients vont présenter des neuropathies, c'est-à-dire d'abord des fourmillements dans les mains. Et puis, si on n'arrête pas, on peut finir par avoir des problèmes moteurs, des difficultés pour se déplacer. Donc, bien évidemment, à ce stade, il faut savoir arrêter. Et donc, le problème de ce médicament, c'est que c'est un médicament très efficace, mais qui ne va pas pouvoir être utilisé chez la plupart des gens pendant des années et des années. L'intérêt du brentuximab, c'est que ça peut permettre de faire le lien avec les allogreffes, dont je vous ai parlé, des allogreffes pour les lymphomes T-cutanés au stade avancé. Donc, en France, on a fait une étude multicentrique, on a étudié ce que peut donner la greffe, et vous voyez que la survie sans progression est très intéressante. Si la personne est mise en rémission complète, vous voyez qu'au début, il y a quand même des problèmes liés à la greffe, mais après, vous voyez que si on est en rémission, si on est très bien après un an, vous voyez que les personnes ne rechutent pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'il ne faut surtout pas faire il faut pas faire de déplétion de la moelle. Et si on est en rémission complète, avec une greffe de moelle, on peut avoir un très bon résultat. Vous voyez, c'est exactement sur 7 ans, on a une très très bonne survie. Donc, cette greffe de moelle, c'est très intéressant. Et le brentuximab peut aider à mettre en rémission avant de pouvoir faire une greffe de moelle. Et nous avons récemment eu les résultats de ce PHRC, c'est-à-dire une étude multicentrique française entre le groupe dermatologue de groupe français d'études des lymphomes cutanés et le groupe de greffeurs français de greffe de moelle. Et donc, cette étude est en cours de publication et montre que la greffe de moelle est une modalité de traitement très intéressante pour les patients qui ont un lymphome T-cutané au stade avancé. Alors, je voulais vous parler aussi d'un autre anticorps qui a été commercialisé récemment, qui s'appelle le mogamulizumab. Le mogamulizumab, c'est un anticorps dirigé contre la molécule CCR4. CCR4, c'est une molécule qui est exprimée par les lymphocytes T qui viennent au niveau de la peau, aussi bien les lymphocytes T de lymphome que les autres lymphocytes T. Et c'est aussi exprimé par des lymphocytes qui régulent l'immunité, qui sont les lymphocytes T régulateurs. Alors, quel est le mécanisme d'action? Vous voyez que le mogamulizumab vient se fixer sur la cellule anormale, et puis les lymphocytes NK viennent se fixer, et puis finalement, la cellule NK se met à détruire la cellule tumorale. Donc, c'est extrêmement efficace. Il y a eu une grande étude qui a comparé le mogamulizumab à un inhibiteur d'histone déacétylase qui s'appelle le vorinostat, qui a été publié dans Lancet Oncology en 2018.
Et vous voyez que là encore, le mogamulizumab a montré dans cette grande étude qu'il y avait des bien meilleurs résultats avec le mogamulizumab qu'avec l'ovorinostat. Et donc, ce produit a obtenu l'AMM à la fois en France, en Europe et aux États-Unis. Et vous voyez que là encore, il y a beaucoup de patients qui ont une rémission complète ou une rémission de plus de 50% de leurs lésions, beaucoup plus avec le mogamulizumab qu'avec l'ovorinostat. Alors, quels sont les effets secondaires avec ce mogamulizumab? Alors, il y a beaucoup plus d'effets secondaires avec le vorinostat qu'avec le mogamulizumab, mais le problème du mogamulizumab, c'est que ça peut donner des éruptions cutanées. Alors, vous voyez que c'est extrêmement intéressant, ce traitement par mogamulizumab. Vous voyez que les cellules anormales disparaissent complètement, mais au bout de 3 ans, on peut avoir une reprise à partir des cellules qui n'expriment pas ces CR4. Donc, on peut avoir une résistance au traitement après quelques années, mais néanmoins, pendant 3 ans, la maladie a été complètement contrôlée. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle un rash associé au mogamulizumab, c'est-à-dire une éruption induite sous traitement. Vous voyez que c'est assez fréquent, puisque ça survient chez 24 à 68% des malades. Mais vous allez voir que cette éruption peut avoir des effets très bénéfiques. Alors, vous voyez que ce rash associé au mogamulizumab, ça peut se présenter comme un mycosis fongoïde, comme on peut être tout rouge, on peut être comme un petit peu comme la rougeole. Et puis, ce qui est caractéristique, c'est que normalement, le mycosis fongoïde de Sézary exprime CD4, on l'a vu. Et là, si on a un rash, on est plutôt CD8. Donc, pour faire le diagnostic différentiel entre une progression de la maladie et un rash, il va falloir faire une biopsie. Et voilà, une biopsie avec immunomarquage. Et les arguments en faveur du rash, c'est que les cellules sont plutôt CD8 plutôt que CD4. Il y a une augmentation des lymphocytes CD8 et des monocytes macrophages dans la peau. Et surtout, vous voyez que le clone T disparaît. Vous voyez un patient qui a un clone T ici dans la peau. Il va faire une première réaction au MOGA, le clone diminue, enfin c'est plusieurs patients. Et puis après une deuxième réaction au MOGA, le clone disparaît complètement de la peau. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le rash associé au mogamulizumab et la réponse clinique sont plus fréquents chez les patients qui ont un Sézary. Et les patients qui ont ce rash est associé à une meilleure réponse clinique chez les patients qui ont un Sézary. Donc, les patients qui vont faire cette réponse cutanée vont avoir une meilleure réponse, deviennent plus souvent une réponse complète et ont une meilleure survie. Vous voyez que les patients qui font un rash ont une survie, très très bonne survie, meilleure que les patients qui ne font pas de rash. Donc, ça peut être très intéressant finalement de faire un rash parce que c'est associé à une survie prolongée, parfois sans aucun traitement. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler d'un autre traitement qui est un nouveau traitement qui est en expérimentation, qui peut être aussi très prometteur pour l'avenir. C'est un anticorps anti-KIR3DL2. KIR3DL2, c'est un marqueur spécifique des cellules de Sézary. C'est un récepteur NK qui est un marqueur spécifique des cellules de Sézary. Vous voyez que les cellules anormales expriment très fortement CD158K, alors que les cellules qui n'expriment pas CD158K sont les cellules réactionnelles. Vous voyez que c'était très intéressant parce que KIR3DL2 est exprimé par 80% des lymphomes T cutanés, non seulement le syndrome de Sézary, mais aussi d'autres pathologies ou d'autres types de lymphomes cutanés. Vous voyez qu'on peut mettre en évidence les cellules anormales dans la peau qui expriment KIR3DL2. Alors, il y a un essai qui a été fait il y a quelques années, qui est un essai de phase 1-2, qui a analysé l'efficacité de cet anticorps anti-KIR3DL2 qui s'appelle lacutamab. Et vous voyez que beaucoup de patients ont présenté une très bonne réponse, et en particulier des patients qui avaient été en échec du mogamulizumab. Vous voyez ici M, des patients qui avaient échappé au mogamulizumab, qui répondaient ensuite au lacutamab. Donc, ça veut dire que c'est un nouvel espoir très intéressant de traitement pour les patients qui échappent au mogamulizumab. Un troisième anticorps disponible dans la lymphome cutanée. Vous voyez qu'on peut avoir des réponses très, très durables qui se maintiennent chez les patients. Et puis, surtout, une amélioration très importante de la qualité de vie. Vous voyez les émotions, la fonction. On peut avoir une amélioration très, très importante du prurite et de toutes les anomalies, les choses défavorables qui sont associées à ce syndrome de Sézary. Et vous voyez que les lymphocytes anormaux sous ce traitement disparaissent complètement du sang. Vous voyez ici les cellules anormales
qui disparaissent complètement du sang. Ici, vous voyez la disparition rapide des cellules. Donc, c'est un nouvel anticorps qui est extrêmement intéressant et qui, on espère, sera commercialisé dans quelques années. Ça a été publié dans Lancet Oncology il y a 2 ans. Et il y a actuellement un essai thérapeutique qui est en cours aux États-Unis et en Europe afin d'évaluer plus l'efficacité de ce lymphome cutané, de cet anticorps dans les lymphomes cutanés. Donc, le traitement des lymphomes cutanés est en pleine mutation. Il y a de nouveau beaucoup de nouveaux anticorps. La recherche translationnelle a pu mettre en évidence de nouveaux traitements ciblés, c'est-à-dire des traitements qui détruisent les cellules tumorales en ne touchant pas les lymphocytes normaux. Il y a la possibilité d'entraîner des rémissions complètes très durables. Et puis, on espère que dans l'avenir, voilà, on ne fera plus de chimiothérapie, qu'on pourra jouer avec différents anticorps monoclonaux successivement et avoir là encore des réponses très durables. Il y a actuellement de nombreux traitements qui sont en cours de développement et l'avenir, c'est effectivement soit de combiner des anticorps, soit de les faire les uns après les autres. Voilà, donc pour terminer, vraiment un message d'avenir sur tout ce qui est très nouveau et qui va se développer au cours des prochaines années pour le traitement des lymphomes cutanés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.